Yo le petit pote, c'est Bricou. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui j'ai fait un concept que seul Hashtag a déjà fait. Donc c'est je veux un coffre de foudre et j'essaie de jouer en défi classique avec. Et juste avant, on va passer les gargouilles niveau 13 les gars pour pouvoir jouer mon deck en ladder les gars. Je suis extrêmement content. Comme vous le voyez, j'ai déjà 4 cartes de niveau maximum. Ça fait extrêmement plaisir. Donc là, je vais améliorer mon scooter niveau 13 d'abord pour jouer dans d'autres decks. Notamment le 2.6 que je pourrais jouer en ladder, il manquera juste la bûche. La bûche, j'aurais juste amélioré niveau 13. Donc voilà. Les gars, si vous voulez que je fasse d'autres concepts comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit like les gars sur cette vidéo. Et surtout à vous abonner et à le partager à vos proches, à vos amis les gars. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on va directement commencer le pack opening. C'est parti. Ok. Donc, comme j'ai bientôt un coffre de foudre les gars dans mes quêtes, ce coffre, je vais écrire les cartes avant de les modifier. Et le prochain coffre, ça sera après que je l'ai modifié, ok. Donc c'est parti. Ok, des archers. J'écris en même temps. Ensuite, on a des gobelins. Gobelance. Ok. Ensuite, on a de la cage. Ensuite, on a... Oula. Extracteur. On a du cochon. Ah, ça fait plaisir ça. Du géant gobelin. On a beaucoup de gobelins les gars. Et les gars, comme j'ai l'air, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce serait bien une bonne carte. Nickel, un zapis, c'est exactement ce que je voulais. Le problème c'est que niveau deck, on aura ça et je pourrais prendre une carte, donc je vais sûrement prendre un sort les gars. On va juste qu'est-ce que j'aurais besoin moi? J'ai besoin de la mousquetaire les gars, ce serait cool d'avoir... Oh bah du géant, ça me va très bien, du géant les gars. Je vais en réfléchir parce que là, c'est pas évident. Alors là, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut une carte qu'on n'a pas niveau maximum. Je sais pas, on va voir qu'est-ce qui est le meilleur. Mortier, non. Des recrues, non. Bah, on vient de les maxer. Du canon, bah très bien. Ah, on peut les améliorer niveau maximum, sauf qu'on a malheureusement pas les pièces. Mais sinon, on va pouvoir améliorer notre canon niveau maximum, les gars. C'est cool. Donc, les gars, je vais créer le deck. Donc, on a les archers, on a les gobelins lance, on a beaucoup de... Voilà, je sens que ce deck va être éclaté. Hein. Cache goblin, j'ai niveau 11. L'extracteur d'élixir. Tac. Merde. Cache goblin. On a quoi? Du cochon. Nous avons quoi? Du géant gobelin. On est tout là. C'est une catastrophe ce deck. Et du zapi les gars. Et je vais essayer de mettre une autre carte pour aller essayer de pouvoir perfectionner le deck. Alors là, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors là, si on tombe sur Molos, on a lose. Le deck n'a aucun sens, hein, mais bon. Je pense un petit sort, je pense en vrai des flèches, je pense ça peut être pas dégueu. Des flèches ou un zap, en vrai qu'est-ce qui nous manquerait? Ah là si c'est du Goem clone je pense j'ai lose, ça si j'ai une flèche. Je pense que je vais prendre un zap les gars. Je vais prendre un zap les gars. Et on va partir en défi classique les gars avec ce deck. Ce deck qui va extrêmement éclaté au sol les gars. C'est parti. On tombe sur Book Pop de ST au nord. C'est parti, cochon. Voilà, c'est n'importe quoi ce deck les gars. Ok, il nous joue un petit chasseur les gars. Évidemment, je mets le zapis du mauvais côté parce que je suis un boulet. Et là, je pense qu'on va prendre très cher. Voilà, je pense pas en fait. C'est sûr. Ok, il a mis fantôme plus tu as barbare. Très bien. J'aurais jamais fait ça, j'aurais dû mettre devant les archers. En vrai, j'ai un zap, ça peut être pas dégueu. En vrai, j'ai un beau zap là, je pense. Oh, dommage. Bon, le jeu gobelin qui va faire extrêmement mal, les gars. Il arrête son bûcher en plus, c'est nickel pour nous ça. C'est une très bonne nouvelle les gars.
Donc voilà, on va juste mettre une petite cage de gobelins, je pense. Attendez, ça dépend ce qu'il met en fait, parce que je vais jouer différemment en fonction de ce qu'il met. Ok, je vais faire comme ça alors. Je vais mettre les archères aussi. Voilà les gars, j'essaie de prendre le moins cher possible, ça va être très compliqué. Les hâtes à boucle de feu, ça c'est excellent pour nous. Et les gars, là, on va faire beaucoup de terre-pêche parce que c'est impossible qu'il ait beaucoup d'élex. Et là les gars, je pense en vrai, il peut facilement perdre sa tour. Il a plus d'élixir, il vient de jouer son fiel barbare à l'autre côté pour pas perdre sa tour. Mais après c'est un tour les gars, on a extrêmement bien joué, je suis extrêmement fier de moi. Je pense les gars là, ça va être assez facile de gagner. Il nous joue des Halouf Royaux. Ok, donc là je vais attendre. Je sais pas mettre un l'extracteur en fait, je sais pas si je le mets. Ouais, je sais pas. En vrai je défends que ce côté parce que l'autre côté bah c'est. C'est déjà un peu tard. Le Zapik qui va aller déglinguer tout ça. Le Zapik qui fait extrêmement value les gars, je vais mettre un petit test rectal pour pouvoir m'installer. En plus je vous le fais sur Zapik les gars, c'est juste incroyable ce qu'il se passe. Un mec des gobelins lance, ouais, bon, ça je savais qu'il allait faire ça mais j'étais pas sûr donc j'ai pas voulu forcer. Petite cache gobelin ici les gars. Ok, j'ai un gobelin en fond de terrain. On va mettre un petit Zapi pour aller gérer ses halouf. Le Zapi qui va tout clean normalement. Voilà, nickel. Il clean 3 trucs, c'est magnifique. Et là les gars. Non, ça. Et les gars là on va commencer à spam. Puisque on a un deck de spammer. Voilà, tout simplement. J'ai un gobelin ici. Et là les gars, on va partir sur une win à peut-être 3 couronnes. En fonction de si ici me casse les couilles, si c'est un connard. Ok les gars, on va passer à une victoire à 3 couronnes avec ce deck qui n'a pas de sens mais qui marche plutôt bien ce que je vois. C'est plutôt cool. Ok. Bah c'est parti. En vrai le Zap je pense qu'il est clairement adapté au deck que j'ai. Bah c'est plutôt cool. Ok c'est parti. C'est parti les gars. On part sur cette prochaine game. Ok. Parfait. Ok. Ok, il nous met un petit esprit de glace avec un cochon. Très bien. On va pas plus défendre que ça. De ce moment, on joue un 2.6. 2.6 qui est assez fort. Alors là je pense qu'on a le match-up parce qu'on a un cochon plus. En plus oh là là mais quel joueur de merde. Non j'ai tout le monde il vient poutrer. On a fait autant de dégâts de lui, c'est plutôt assez cool. Dans tous les cas, s'il a un cochon c'est pas trop grave. C'est ce que j'ai. Ok, il nous joue une petite fireball, très très bien. Nous qu'est-ce qu'on va faire là? On va s'installer avec une petite cage de gobelins. Bah c'est parfait. On va mettre un zappy aussi. Pour prendre 0 coup les gars de cochon. 0 coup. Ok, nickel. Voilà, il y a moyen que je mette un gobelin géant. Il y a grave moyen. Voilà, là en vrai, on est plutôt bien. Ok, normalement, le Zapi là qui fait un taf, il va être monstrueux. Ok, très bien. Voilà, je pense que c'est quasiment indéfendable pour lui. Sauf si je trouve très bien, mais ce n'est pas un joueur professionnel les gars. Donc normalement ça c'est une free win, j'ai pas le droit de la perdre. On a je pense le match-up environ 10 fois. Oh là là, mais oh là là, mais quel joueur. Oh mais quel joueur je suis. Et les gars, on passe sur cette win. Un deuxième 3 couronnes les gars. Oh, c'est n'importe quoi cette vidéo les gars. C'est vraiment n'importe quoi. Ok les gars, on part sur cette troisième game. C'est juste incroyable, hein. Ok. Tac. Cochon plus gobelin, les gars. On lance, on s'en fout. Puisque maintenant Clash Royale, c'est du spam. Bah, go jouer spam, hein. Écoutez. Là, il vient de faire en plus extrêmement beaucoup de la D. Sinon, on va juste mettre un petit gobelin géant pour aller tendre tout ça. Qui va normalement, avec les petits gobelins, défendre à la perfection ce fantôme royal. Je vais détruire des gobelins en plus, est-ce que c'est pas magnifique? Si je le pense. Le gobelin géant qui met un coup. Le gobelin géant qui met deux coups. La tour qui est quasiment tombée et ça c'est littéralement excellent pour nous.
Ok, nickel. Là, on est bien. On va mettre un petit zap pour aller gérer tout ça. Et on va mettre de la pression directement de l'autre côté, puisque je pense qu'on va prendre la tour avec un cochon normalement ou un géant gobelin. Et ça, ce n'était pas prévu. Je ne sais pas comment défendre. Vite, le gobelin géant. Le gobelin géant, beaucoup trop tard. C'est pas grave. Normalement, les petits gobelins lances qui vont faire le taf contre le gobelin géant, qui ont malheureusement touché le fantôme royal. On va prendre très très cher sur cette attaque au méga chevalier. Ici, on va, je pense, juste mettre une cage gobelin. On va pas forcer avec des archers, on va attendre que le gobelin félon sort, qui va normalement déglinguer tous les petits gobelins. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est pas comment, mais je vais mettre une tombe comme ça pour tanker un petit peu. Même si normalement faut la protéger, les gars, ne faites jamais ça. Là, c'est parce que j'ai un deck double bâtiment, donc c'est un petit peu différent. Et il nous joue ça très bien. Nous, on va jouer un petit cochon, puisqu'il n'a plus son méga chevalier ni sa cabane, donc c'est excellent pour nous. Du coup, je vais pas forcer, là, gars. Là, je pense que je vais juste faire tourner le méga chevalier avec le fantôme royal. Ok, j'ai raté. Non, ma cage, beaucoup trop tard. Bon, là, j'ai un peu fait de la dé, je vous avoue. C'était pas prévu, ça, de base. On va mettre des archers comme ça. Là, on va faire beaucoup de dégâts, puisque les gobelins à lance touchent, tant mieux pour nous, hein, la tour. Bon, là, il ne sait pas encore que je les zappie normalement. Je crois que je l'ai pas joué. Donc, on va partir en zappy fond de map. On va mettre une petite cage ici pour aller tanker tout ça. Normalement, un zappy qui détruit les squelettes plus le fantôme. Ok, il ne touche pas le fantôme, mais c'est pas trop grave. Et les gars, là, je pense qu'on va partir en cochon pour les GSA avec des petits gobelins à lance. Et on va pouvoir mettre un géant gobelin ici, les gars. Et on va directement partir sur cette troisième ligne où, les gars, on fait un perfect pour l'instant. Bah, c'est parfait. Nickel, les gars. Troisième win. Facile. Donc, les gars, 2-3 couronnes et 1-2 couronnes, les gars. C'est juste un deck. En fait, en vrai, il est fort. Hein. Je crois que, les gars, on a peut-être quelque chose là. Bon, même si je vois pas ce qu'ils foutent le double bâtiment là. Mais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, les gars, on va partir sur cette dernière game, les gars. Avec ce coffre de foudre. Qui me donne un plutôt bon deck. Qui n'a aucun sens, mais qui marche. Je pense que c'est ça le kit d'ailleurs. Ok, donc là on va partir juste et des gobelins à lance en mode YOLO comme ça. Ok, ici. Ok, il nous joue un petit fuir gobelin qui est niveau 8, les gars. Et ça nous arrange puisque le zap one shot les gobelins niveau 8. Quand on zappe un niveau au-dessus des gobelins, le zap one shot les gobelins. Ça, c'est très bonne nouvelle pour nous. Et il joue un petit poison bien dégueulasse. Pour nous, on va partir en zappy fond de map. Qui a normalement prendre 0 dégâts du poison. C'est parfait. On a l'avantage en élixir. Et là, les gars, je pense on va envoyer un push du, de type spam. Puisque regardez. Hop, gobelin géant ici. Plus un petit cochon de l'autre côté. Ça fait plaisir. Ok, le zappy qui one shot la tour à bombe, ça c'est cool. Le zappy qui m'a coup. Parfait, nickel. Là, les gars, on se met très très bien. Ici, on va pouvoir activer la tour du roi. C'est parfait. Là, les gars, on fait de très très bons dégâts. Ok, nickel. L'article qui va servir à mon défense, c'est pas le gobelin. Nickel. Ok, là, en vrai, on a grave l'avantage. Je vois pas comment c'est possible de perdre. Ok, petite pompe ici. Ok, méga chevalier fondable. Ah, ça m'arrange pas ça. Je vais noter un truc là. Je vous avoue, je suis pas serein sur ce que je vais faire là. Ouais, ça serait bien d'avoir le petit gobelin géant, mais je l'aurais pas. Merde. Non, non, les gars, non. Allez, j'ai chaud là. Zappy, faut qu'il remette un coup. Le zap totalement raté de ma part. En vrai, c'est pas trop grave. Puisqu'on a peut-être une tour à 900 HP, mais nous on a endommagé deux tours. Et on va pouvoir repartir sur une pompe. J'ai fait de la délai. Ok, bon là il sait que j'ai plus rien, on va pas défendre. Je pense, en vrai, le seul truc que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite cage maintenant. Pour que l'artificiaire puisse mourir. Ça nous arrange. Et les gars, on va partir en zappy ici.
On va mettre un cochon directement de côté avec des petits gobelins à lance. On a le zap. Ok, on n'a pas besoin de zap. Il est assez tout à bon, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous encore une fois. On va mettre des archères. Ok, là, normalement il va se faire défoncer. Petit gobelin géant. Allez, on met un deuxième zappi les gars. En vrai, vas-y, je vais mettre un zappi là. Je vais spam un peu les gars. Et les gars, on va partir sur cette quatrième win les gars. On a fait un perfect dans cette vidéo. Ouais, c'est juste une scène les gars. C'est Call of the Food qui marche très bien mais qui n'a aucun sens. C'est génial les gars, écoutez, nouveau deck, méta. je suis un gobelin zappi cochon. Bah c'est nickel les gars. Sinon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et ciao.